Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallé, la légende. Mais je ne suis pas seul, toujours désormais accompagné de ma nouvelle binôme, Chola la dérangeuse. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir encore pour nous de vous retrouver sur notre plateforme Ivoire TV Musique. Bien sûr, sur le canal 209, restez toujours connecté. Alors aujourd'hui, nous avons un invité. Il n'est pas ici, il vit à l'Hexagone. À l'orée des années, je dirais 2009, 2010, 2011, naît ce qu'on appelle Facebook. Aujourd'hui, un réseau sur lequel tout le monde est. Et dans le développement de ce réseau, arrivé à un certain moment, on a atteint la dimension de ce qu'on appelle les directs. Les directs, c'est bien sûr toujours dans le développement de la plateforme Facebook, qui a été conçue encore par Mark Zuckerberg. Dans ce développement est sorti encore un lot de personnes d'une autre manière de communiquer, une autre manière de voir les choses. On les appelle les blogueurs, on les appelle les influenceurs, on les appelle les gars du direct, on les appelle les casseurs des papos. Bon, ils ont tous les noms, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, nous en recevons aujourd'hui l'un parmi eux. Alors, dames et messieurs, recevons ici, aujourd'hui même dans ce Fafa, le Fafa chaud bouillant et chaud brûlant, le big, le grand, Yaka Yaka de Paris. Alors, Yaka Yaka, comment va, je dirais, le blogueur, l'influenceur ou comment on peut te définir réellement? Ben, je suis blogueur, influenceur et aussi acteur des réseaux sociaux. D'accord, donc on dira comment va le blogueur, l'influenceur et l'acteur des réseaux sociaux. Exactement. Ouais. Bon, on va couper pour dire comment va Yaka Yaka de Paris. C'est pas mieux. C'est plus simple. Alors Yaka Yaka, dis-nous, tu as immigré en France en quelle année? Depuis 2010. En 2010 que je suis allé m'installer en France. Avec, disons, à l'orée de la crise. Exactement. Quand tu as eu la crise, mais d'où est venue la motivation d'aller immigrer en Europe? Ben, moi, j'ai toujours voulu vivre en Europe. Hein. Ok. Voilà, donc, quand j'ai eu l'occasion, je suis parti, quoi. Mais il n'y a rien dans ton pays ou bien? C'est pas qu'il n'y a rien dans mon pays, mais vous savez, ici, on a toujours tendance à croire que c'est là-bas que tout se passe. Mm-hmm. Donc, l'Eldorado, c'est voilà, pas ça. Voilà, donc on est allé voir, on a compris que c'était pas ça. Ça mais on était déjà dedans. Mais pourquoi tu ne reviens pas dans ce cas? Pourquoi tu restes là-bas si ce n'est pas l'Eldorado auquel tu t'attendais? Parce que je n'ai rien prévu encore ici. Mm-hmm. Je n'ai rien comme activité ici pour l'instant. Une bonne assise. Puis, voilà, une bonne assise, pas encore, que je suis en train de mettre en place, mais pas encore. Mm-hmm. Et puis là, en ce moment, je suis fonctionnaire là-bas. Donc... Fonctionnaire même, hein, en France, c'est pas rien. Ben, et tu fais quoi exactement? À part le métier de... Enfin, je considère ça comme un métier de blogueur, influenceur. En dehors, tu fais quoi? Je suis dans le métier du transport en commun. Tu conduis le bus? Je conduis le bus, le tram. Ah, tu es chauffeur? Je suis conducteur de bus. Tu t'appelles là-bas les machinistes receveurs. Oui, machinistes. Oui. Voilà. Mais il paraît qu'au début, quand tu es arrivé en France, tu t'es déclaré d'abord comme étant, disons, un réfugié politique. C'est ce que les gens disent, mais c'est faux. Les gens ont tendance à raconter un peu tout et n'importe quoi. Mais tu es arrivé là-bas en tant que quoi? Je suis arrivé en tant qu'un Ivoirien. Mm-hmm. Et puis, je suis allé faire la demande de mes papiers, comme tout le monde. Et puis, chacun a son étoile dans la vie. Donc aujourd'hui, quoi, Yaka Yaka, tu as le Dizaya ou bien tu as le Bordeaux? Je sais aussi. Après 12 ans de vie. Ah, il y a des gens qui font 35 qui n'ont même pas papier. Mais comme je vous l'ai dit là, je n'ai même pas papier. Hein? Même moi, papier n'ont pas. Hein? Oui, il y a des gens, parce que eux là, je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. Mm-hmm. Mais quand tu es béni par tes parents, comme moi, parce que moi je suis béni par mes deux parents, moi en un an, j'avais déjà mes papiers. Ah bon? Ah oui. Facilement. Ouais, dès que je suis arrivé, c'était ma priorité. Voilà, je cherchais à avoir mes papiers et puis comme je viens de dire, je suis béni. Alors, tu le sais comment en tant qu'un ayant droit, tu as un enfant, tu es marié, bon, tu sais qu'on sait comment on ça, ça fonctionne. Oui, hein? On sait comment, voilà, comment on acquiert les papiers. Donc, moi, tu peux me dire. J'ai été accompagné par une Française avec qui je parlais ici. D'accord. Une vieille dame. Ok. Voilà, c'est elle qui m'a mis dans le circuit que je préfère garder pour ne pas... Mais quand une vieille banque, c'est quoi? Donc, avec une vieille money, voilà. Tu peux pas demander vieille money. C'était ta nièce, c'est elle qui te gênait. C'est qu'on était là-bas, on connaît tous les systèmes. C'est ça que vous étiez là-bas. Donc, tu étais avec une vieille dame.
Mais voilà. Tu étais dans Vieille Manille, tu m'ouvres une vieille, il veut gratter pour prendre tes papos. Il n'y a pas pour avoir les papos. Mais c'était quoi? J'ai dit qu'un jour on était ensemble, faut prendre ça comme ça. C'était ta gnaille. Donc... C'était pas ma gnaille, moi je n'ai jamais été gigolo. Mais bon, enfin, quand tu dis vieille, c'est pas parce que tu es forcément gigolo. Mais quand il dit une vieille dame, elle était, elle est plus âgée que toi. Elle était un tout petit peu plus âgée. Quand il dit une vieille dame, c'est un peu trop dit. Mais elle était un tout petit peu plus âgée que moi. Mais à l'époque, quand on a vu nos frères, ça, ils ont pris les papos et les vieilles goûts. Tu vois, donc nous, on connaît le mouvement. Ouais. Donc peut-être si tu ouvres une vieille goût pour prendre ton papo, tu nous dis, à fois ici, non, là, c'est non, une c'est... femme qui est âgée que toi de 10 ans. Oui. Donc, voilà, ça, c'est pas une vieille goût. C'est une vieille money. Non. Attends, moi, je si on prend ton âge et puis on prend l'âge de la go, là, on est remonté dans aujourd'hui, hier, yeah, j'ai fêté mes 40 ans. Donc, t'as vu, là, elle a 50 ans. Et là, c'est une vieille go. Non, c'est pas une vieille go. Maintenant, ce que moi, je veux savoir, dans quelles conditions elle t'aide à avoir les papiers? Dans si tu sortais, si tu sortais pas avec elle, c'était pas ta go, c'était pas ta femme, rien du tout, c'est ça? Mais elle t'a obtenu les papiers comment? Mais pourquoi tu veux que je rentre? En général, vous mariez ça, pour avoir les papiers. Mais c'est ça, c'est quel sujet, il y a eu tout ça, là. Il a fait un faux mariage, un mariage blanc. Je n'ai pas fait un faux mariage, hein. Je n'ai jamais fait un faux mariage. Je me suis marié pour de vrai. Elle, la vieille. C'est pas la vieille, c'est elle, la femme âgée, la dame, là, voilà. D'accord. Donc, c'est grâce à elle que tu finis par obtenir tes papiers. Exactement. Et tu deviens français. Parce que même avant de partir, elle était déjà venue me voir en Côte d'Ivoire. Ah, avant que moi j'aille en France. Tu l'as rencontrée sur Internet, ben, c'est ça? Voilà. Tu étais brouteur. Hein? Pas brouteur, jamais été brouteur. Tu n'as pas fait l'étude de toi, Love, là, parce que c'est la soirée, on raconte les boules aussi. Voilà, c'était sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, j'allais me connecter au cyber comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Et puis, ouais, voilà, je parlais avec elle. Mais ouais. Je n'ai jamais été brouteux dans ma vie. Je n'ai jamais été malhonnête, des choses comme jamais. Bon, parce qu'il y a d'autres qui parlent avec elle et puis, bon, on se connaît le système subtil de l'argent. Mais c'est ça. Moi, justement, moi, je n'ai jamais soutiré un centime. Elle est venue ici, on s'est vu, on a passé un bon moment ensemble. Après, elle est partie. Et puis... Ah, tu as vu que vous avez passé un bon moment ensemble? Oui, ça veut dire que la relation était consommée. Parce que tu as tes papiers là-bas. Bon, c'est qu'elle suit, prenez ça comme ça. Okay. Okay. Non, on ne peut pas se contenter de payer ça, c'est trop peu pour nous. Mais sinon, au-delà de ça, nous, c'est à cause de tout ça. On se pose cette question, pourquoi? Parce que tu es rentré en Côte d'Ivoire sans bruit, sans roulement des tambours, sans accueil à l'aéroport. Ils se disaient même que tu es passé par le Mali, hein, pour venir en Côte d'Ivoire. Ah, non, mais moi, je suis rentré par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny parce que je ne voulais pas de bruit. Parce que je suis... mes fans s'appellent les Kwakwatchari. Ça veut dire quoi? Les Kwakwatchari, c'est-à-dire les Kwakwato. Ah, donc c'est comme ça que moi j'ai. Oui, voilà, moi c'est ça. Donc voilà, c'est tout le monde est Kwakwato sur Facebook. Nous, c'est Kwakwato, on fait sur Facebook. Vraiment. C'est pourquoi c'est ça qu'on nous connaît. Donc ça, on va parler de toi, t'inquiète pas. Voilà. Donc, les gens voulaient venir m'accueillir à l'aéroport. Ils ont dit, Louis, tu viens là, ils vont nous chasser à l'aéroport. Le fan club, Yaka. Voilà. Il y a des associations, il y a une association de femmes, des femmes d'affaires. Et les femmes djoula qui font le commerce Dubaï, Chine, tout ça. Oui. L'association s'appelle Yaka Yaka de Paris. Adama. Voilà. Elles disent qu'elles vont aller mettre ma tête sur panne pour venir m'accueillir à l'aéroport. Je dis, mais non, je ne suis pas mort encore. Adama. C'est quand, juste chez nous, c'est quand tu mets, qu'on met ta tête sur t-shirt et puis panne. Mais parlons de ces femmes-là, parce qu'il paraît que vous êtes sponsorisé aussi dans votre réseau par des marraines. Ah, chacun a sa marraine. On dit qu'il y a des marraines. Parce que tu en parles, c'est quoi? Les marraines, là, qu'est-ce qu'elles recherchent à travers le financement qu'elles font sur vous? Oui, mais les marraines, là, tu sais, quand nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous adoptent, il y a des gens qui nous aiment pour de vrai. Mm-hmm. Okay. Et donc, si tu as la chance d'être aimé par une personne qui est financièrement assise, elle peut t'aider qu'avec ça. Mais en général, on dit que ce sont les femmes qui sont dans le milieu politique. Or, tout ce qui parle de politique parle d'intérêt. Moi, en tout cas, je n'ai pas j'ai des connaissances dans le milieu politique, mais je n'ai pas de marraine politicienne. Ah, on nous a dit que vous avez beaucoup de marraines politiciennes. La marraine de Yaka Yaka, elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? C'est ce que vous n'allez jamais savoir. Mais parce que c'est ce que beaucoup d'hommes ont fait. Et puis aujourd'hui, les marraines sont exposées sur les réseaux sociaux. Il ne faut jamais exposer. C'est-à-dire que où tu manges là, il faut toujours garder ça en secret. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Yaka Yaka. Mais en général, les marraines, on connaît. Hein, oui. Chez les hommes, vous avez des marraines. Chez les femmes, elles ont des parrains. C'est ça. Voilà, en général, les parrains la couchent avec leur filleule. En général. Ah, bon. Oui, de façon très, très claire. En général, les parrains, là, ils viennent. Oui, tu es ma fille, ma filleule. Mais derrière, il y a moussement. Voilà. Toi, je suppose que si tu es une marraine, donc tu la peintouins. Non. Ça, non. Il n'y a rien, elle et toi. Rien, donc, pour rien comme ça, parce que tu es Yaka Yaka voilà, de Paris, Yaka, elle te finance. Paris, elle ne me finance pas. Elle ne te donne pas de l'argent, non, elle ne te fait pas de transferts. Moi, je ne prends pas l'argent à quelqu'un. Sur les réseaux sociaux, là, je suis celui qui ne prend pas l'argent des gens. Ah, donc les autres apprennent. Ah, je parle de moi, hein. Je ne parle pas des autres. Chacun sait comment il mange chez lui à la maison. Moi, je suis fonctionnaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je travaille, je suis très bien payé à la fin du mois. Est-ce que être chauffeur de bus en France, ça nourrit? Ah oui, ça dépend de ton grade. Parce que dans tout métier, il y a des grades. Mm-hmm. Voilà, ça dépend de ton grade dans ton entreprise. Mm-hmm. Voilà, donc moi, en tout cas, j'ai atteint un niveau dans mon entreprise aujourd'hui qui me permet de vivre correctement.
Il n'y a pas dit que je suis riche, hein, mais en tout cas, je ne suis pas un nécessiteux. Voilà. Ok, mais alors, dis-nous, Yaka Yaka, nous, moi, j'aimerais savoir, j'ai une question qui me trottine un peu dans l'esprit. Vas-y. Tu as de quelle confession religieuse, hein? Je suis musulman. Pratiquant. Pratiquant? Pratiquant de temps en temps, parce que mon boulot ne me permet pas d'être tout le temps à l'heure de la prière. Mm-hmm. Parce que pendant que souvent, je passe 10 heures de conduite, ou bien 7 heures de conduite, ou bien 9 heures de conduite. Tu ne peux pas, et puis, dans mon entreprise, c'est interdit. Si tu es chrétien, tu fais ta prière chez toi. Si tu es musulman, tu fais ça. On ne veut pas te voir pendant ta pause où tous les collègues sont réunis. Toi, tu es en train de prendre l'ablution pour aller prier. Bon, pas de ça. Bon, alors, moi, je pose ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'on te voit aussi sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Il faut dire ce qui est. Mm-hmm. Tu es un homme qui parle, qui n'a pas de frein. Tu n'as pas ta langue dans ta bouche. Et tu n'as pas froid aux yeux. Et tu es prêt même à aller jusqu'en profondeur. En parlant même pas bon, même du calisson, des parties intimes, des femmes. Et tout ça, tu insultes. On a suivi tes directs. Voilà. Tu insultes. Les femmes, tu parles de sexe en putréfaction, tu vois. Bon, on est posé de se demander. Putréfaction. Est-ce que ta confession religieuse ne doit pas te permettre d'avoir une certaine retenue? Si, si, effectivement. Mais il faut dire que moi, je n'insulte pas tant qu'on ne me provoque pas. Mm-hmm. Voilà. Parlant de la maman d'Apocho, c'est vraiment. C'est un truc que j'ai fait, mais que je regrette aujourd'hui. Voilà. Je regrette. Pourquoi faire quelque chose que tu vas regretter? Voilà, parce que sous l'effet de la colère, on ne réfléchit pas forcément. Mais est-ce qu'elle a insulté tes parties intimes? Elle n'a pas insulté tes parties intimes. Non, elle n'a pas insulté mes parties intimes. Oui, voilà. Mais quand quelqu'un se permet de me faire un doigt d'honneur, mm-hmm. un doigt d'honneur là-bas, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, non, mais c'est pas ce que ça veut dire. Non, c'est pas. Le doigt d'honneur là-bas, c'est je mets mon doigt dans ton anus. Adama. Voilà. Donc quand tu mets ton doigt dans mon anus, là, moi, j'ai réagi. Donc ça veut dire que. Excusez-moi. Il y a fond dessus que ça me fait mal. Voilà, c'est pour ça que je veux qu'on m'encule. Donc, moi, si tu m'encules, que tu as mis laissé ongle, ça me fait mal. Il a réagi. Ah, dame. Wow. C'est de ça qu'il s'agit. Après, je dis, pour t'enculer, il faut bien que ça rentre. Oui, justement. Mais, si c'est rentré, ça veut dire que. Mais si c'est rentré, toi, tu as dit que toi, quand on met le doigt dans ton cul, ça ne rentre pas. Ça ne peut pas rentrer. Pourquoi ça ne peut pas rentrer? Parce que rien d'autre ne passe pas là-bas. Pourquoi? Quand tu vas aux toilettes, il n'y a rien qui sort. Ça sort, mais ça ne rentre pas. Oui, mais justement. Voilà, en fait, ça sort, mais ça rentre pas. Ça sort, mais ça rentre pas. Donc, tu sais que toi, tu es frustré. Ça veut dire que ton chéri te lèche pas pour aller quand là-bas. Non, il y a léché et puis après, mais quand on lèche là, on met la sodomisée, elle est interdite par le Seigneur, le Christ Jésus que je prie. C'est interdit dans la Bible. Oui. Donc, aucun autre truc ne peut rentrer là-bas. Ça peut sortir, mais ça ne rentre pas. Même pas langue. Langue, c'est aux alentours. Mais ça rentre pas. Et puis la langue, elle n'est pas os. Pourquoi ça ne peut pas rentrer là-bas? Quand la langue est bien tendue, ça rentre bien. Non, non, non. Quand tu as affaire à un professionnel, ça rentre, ma chérie. C'est que ton chéri ne s'occupe pas bien de toi. Si tu as affaire à un professionnel. Mais justement, quand ton chéri est professionnel, là, il te fait ça bien. Tu ne sais même pas que c'est. Toi-même, tu ne sais pas que c'est là-bas, il a mis. Tellement qu'il fait ça bien. Bon, s'il fait ça, mais dis-toi. Bon, en fait, en général, les gens de ce genre de pratiques, on va dire que dans un couple, voilà, un couple lambda. Bien sûr, je parle de dans un couple. Oui, normal. Bon, c'est pas des choses sur lesquelles les gens ont forcément des pensées. Ou bien tu ne diras pas le contraire. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mariages qui se cassent bêtement. Ah bon, si vous jouez les. Parce qu'on ne les sodomise pas, les mariages. Non, pas on ne les sodomise pas. Je n'étais pas en train de parler de sodomie. Ah, moi, je parlais de sodomie. Moi, je suis en train de dire que quand quelqu'un te fait un doigt d'honneur, ça veut dire qu'il t'encule. Quand tu as parlé de faux ongles qui restent dessus, même ma tête est belle. Mais c'est la même chose. Tu vois, c'est la faute de l'ongle. Il y a fait de ongles, même tout ça là. Mais quand je dis faux ongles, c'est une façon de parler. Il y a quand même aussi souvent, tu as tout le temps. Il y a la parole qui est sortie. Moi, merci de passer. Quand j'ai parlé de faux ongles. Je t'ongle même sorti là-bas. Mais faux ongles. C'est les femmes. Ah, donc ça veut dire que si une femme t'encule, vous parlez de sodomie. Sodomie, là, une femme ne sodomise pas. Ouais. C'est un homme qui sodomise. Donc si elle parle de faux, ça veut dire que c'est pas. Souvent, la femme met son doigt dans le cul de son mari puis jouit. Ah, le point G de l'homme, c'est dans son cul. Tout le monde ne sait pas. Ah bon? Mais oui. Toi, c'est ça que toi tu es. Ah non, moi, je ne sais pas. Non, je ne suis pas frustré. Moi, je suis un homme normal. Donc parce qu'on ne m'encule pas. Non, attends, donc parce qu'on ne me met pas les doigts dans la nuit, je suis frustré. Ah non, je suis désolé. Au contraire, moi, je suis normal. C'est celui qui fait ça avec le plus. Défalé. Ah si, ce n'est pas les. Moi, je suis très ça normal. Me laisse. Attends. J'ai envie de demander à Yaka Yaka. Où c'est arrivé là? Je suis là, non, attends, où c'est arrivé là? Donc, non, on dirait que ce nom n'est pas normal. Hein. Ça veut dire que ce nom n'est pas normal. C'est eux qui sont normaux. La question est simple. Vous ne vivez pas, vous vivez. Non, c'est vraiment le monde à l'envers. Ça veut dire que j'ai défalé. Quand tu vas. Et moi, on ne nous encule pas. Oui. Ça veut dire que nous, on est encore vierges de ce côté-là. Oui. Donc, Yaka Yaka, toi, quand tu fais l'amour à ta femme là, donc ça veut dire qu'elle t'encule. Quand tu parles de enculer.
Il y a enculé et puis enculé. Bon, faut moi, nous expliquer. Moi, je suis en train de vous, vous enculer. Oui, moi, je suis en train de vous expliquer que quand tu es en train de donner du plaisir à quelqu'un, comme un mec qui est en train de lécher sa femme, souvent, il va avec les doigts aussi, souvent, pour lui faire plaisir. Voilà, il accompagne la langue des doigts. Voilà, c'est la même chose aussi, une femme. Il y a des hommes qui aiment ça. Nous sommes des hommes, on ne va pas se mentir. Il y en a qui aiment que les femmes cette catégorie là vous parlez. Ah non, c'est que toi. Et puis je pourrais jamais dire. Donc quand ton point G, c'est juste ta calvitie. Non, c'est si c'est devant. C'est papy tout le magnifique. Oui, mais quand lui, quand on commence G, il est là, il est devant. Quand on commence avec le papy tout là. Quand on commence je peux jamais avoir plus ailleurs. Attends. Quand on commence avec papy tout là. Mon cœur me brûle. Tu n'as pas une liaison qui va. Non, il y a on t'attendait ici aujourd'hui. Mais moi aussi, vous attendez. Non, là, c'est vrai qu'on va aller. Bon, allez, on va recadrer les choses. Non, papa, j'ai une question bien précise. Laisse Yaka, il va s'exprimer. Donc Yaka, quand tu fais l'amour à ta femme, est en cul. Pour te faire, faut tu as dit que le point G est situé dans l'anus de l'homme. Tous les donc ça veut dire que le point G, c'est pas un secret. Après si vous ne savez pas, ça c'est pas dans quel monde vous vivez. Tout le monde sait. Voilà. Tout le monde sait. Quel homme là, son point G, c'est dans son anus. Faut pas se mentir. Maintenant après, dis que ma femme m'encule, non. Non, elle m'aime pas. On est mais on est entre qui t'a dit ça? Mais viens, on va l'essayer, puis tu vas voir. Mais non, le beauté dit, en partant d'essayer, non, le beauté dit qu'elle s'assit sur tes cuisses, que papy tout n'est pas levé. Elle dit, elle t'a touché un peu. Elle a tout fait. Et c'est ici, où tu as assis, même place, elle dit, elle a touché tes tétons, tout. Elle dit, elle a tout fait. Tout ce qu'on fait un homme pour qu'on l'explique. Tout ce qu'on peut faire un homme pour qu'il soit soulevé là. C'est ce qu'elle vous a dit. Oui, non, c'est ce qu'elle a dit. Mais moi, je vous informe que le beauté n'a pas touché mes tétons. Ah bon? Non, elle n'a pas touché mon sexe. Donc elle mentait. Ah bon? Oui, elle vous a menti en tout cas. Ça, il faut que je vous le dise. Elle n'a pas touché l'élément. Elle a dit ça. Passez ça où vous voulez. Elle me connaît le beauté Facebook. Elle me connaît. Elle sait de quoi. Elle me connaît très bien. Quelqu'un qu'elle connaît sur Facebook, c'est moi. Mais donc, je vous dis. Je vous explique que Lolo Beauté n'a même pas eu le temps de toucher à quoi que ce soit sur moi. Ce beau corps-là, elle n'a même pas eu le temps. Non. C'est moi qui l'ai tripoté parce que face à moi, elle était très intimidée. Il faut le savoir. C'est nous deux qui étions dans la chambre. Voilà. Donc, elle a été très intimidée. Elle est restée comme ça, comme un renard qui a perdu sa queue en bustier. Voilà. Non, donc, elle ne peut pas dire qu'elle m'a touché. C'est moi qui l'ai tripoté. C'est moi qui ai mis ma main dans son vungba. Vungba, c'est quoi? Vungba, tu sais ce que c'est. Je ne connais pas Oyaka, Yaka, s'il te plaît. Les mains de Dick Kenzo. Je ne sais pas. Non, c'est que toi, tu as faux qui t'a dit. C'est bien. Toi, tu ne connais pas Vungba. On dit les choses telles qu'elles sont. Vous, bah, j'ai pas dit le mot, quoi, ici, là. Votre monde a déjà commencé à enculer, tout faut parler avec ça. Libérons-nous. Bon, tu as mis tes mains là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Non, il a mis ses mains, vous, bah, là, c'est quoi? Celle qui est venue faire sa confession, elle est venue dire que. Elle a parlé ici. Elle m'a tripoté, elle est venue chez moi. Elle a touché tout. Et qu'elle a organisé sa confrérie pour venir me tester ma sexualité. Est-ce que oui, tu es. Est-ce que tu es. Je n'ai pas. Gauche, mais tu es droite. Elle a dit ici. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle a dit ici, elle a dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es hétéro ou tu es homosexuel? Elle est venue te tester. C'est justement. Mais pour que quelqu'un vienne te tester là, il faut pour que tu sois. Tous tes sens soient aux debout. Debout là. Il faut que la personne te plaise. Ah, c'est ça le problème. Et physiquement, et mentalement, et voilà. Il y a beaucoup psychologiquement, de. Psychologiquement, ça passe pas. Ça passe pas. C'est pas mon genre de femme. Elle a beau être ce qu'elle. C'est pas une vilaine femme. Hein. Mais là, les goûts et les couleurs ne te disputent pas. Okay. Voilà. C'est pas mon genre de femme. Vous prenez quelqu'un qui n'est pas mon genre de femme pour rentrer dans mon lit. Voilà. Mais donc, il n'y a pas de. Moi, ils ont dit, mais elle dit que peut-être que c'est pareil, ça s'élève devant les hommes, pas seulement que devant les femmes. Non, ça s'élève devant les femmes, ça ne s'élève pas devant les hommes. Ça c'est elle, sa pensée. Yaka, Yaka, tu n'es pas à voile et à vapeur. À voile et à vapeur, ça signifie quoi? Tu n'es pas pédé. Je ne suis pas pédé. Tu m'as rien attrapé un garçon. C'est une question qui était posée. Ah, mais ta question est très mal posée. Toi, tu ne peux pas te dire. Moi, je ne suis pas Guino. Tout le monde dit quoi, comment est-ce que le vapeur est pédé? Qu'est-ce qui prouve qu'on t'a jamais lavé? Attends, les gens disent que Yaka est trop propre. Yaka, Yaka, quand les femmes viennent vers lui, les repoussent. Bon, on ne comprend plus rien. Mais quelle femme? Toi, tu es venu vers moi, peut-être te repousser. Ah, si on peut tester, si tu veux. Ah, dans la paix du Seigneur, si vous avez une chambre ici, tu te fais ça propre. C'est pas hôtel. Ah, c'est pas hôtel, mon père, là, l'hôtel. Hi! Yeah, tu vas voir. Bon, alors. Mais est-ce qu'il te fallait que tu touches? Est-ce que s'il te fallait que tu touches? Non, moi, je touche pas. Moi, je touche pas les hommes. Moi, je touche les femmes. Mais il va me toucher pourquoi? Oui, moi. Il fallait que tu aussi. Tu es blessé pour les femmes. Il faut pas même que tu aies le lien. Ah, tu es blessé. Ah, il est tremble, il y a même pas. Il fallait que tu me touches pourquoi? Non, il ne touche pas. Jésus. Donc, Yaka. Donc, moi, ce que je trouve bizarre dans cette affaire avec Lolo Beauté, si tu sais que la femme ne te plaît pas, Lolo Beauté ne te plaisait pas, pourquoi tu as
là, tu l'as touché, tu as mis ta main dans son vagbou, comme tu dis, c'est Vumba. Vumba. Pourquoi tu as mis ta main dans son Vumba, tout ça, tu voulais prouver quoi en fait? Parce que, au lieu de me poser cette question, je trouve que tu lui as demandé pourquoi elle s'est donné le droit de penser qu'elle avait elle pouvait venir tester. Non, malheureusement, qu'elle a fait son fafa, je n'étais pas là. Ah, tu vois, elle s'est donné elle-même le droit. De venir tester ma sexualité. Ouais. Elle t'a provoqué. Elle m'a provoqué. Ah, c'est, pour toi, c'est une provocation. Voilà, c'est une provocation. D'accord, sinon, tu peux te donner le droit. C'est comme si moi, j'étais lui me dit, hey, c'est lui là, mais c'est pas un PD. Attends, il y a le toucher son zgeg pour voir. Toi. Son quoi? Comment tu vas comprendre ça? Coup tête plus. Voilà. Coup tête. Même pendant des vents sortis dedans. Donc toi, tu savais qu'elle était venue pour ça spécialement. Je savais pas. Ah, tu savais pas. Je savais pas. Elle a expliqué dans son live. Elle est venue. Après, elle s'est concertée avec ma petite soeur. Laquelle? Aya Robert. Ok. Voilà, qui je fais un big up au passage ici. Elle est venue avec Aya Robert, avec Apuchu National, avec. Comment elle s'appelle sa soeur, le perroquet? Chez toi à la maison? Chez moi à la maison. Ah, ok. Voilà, Aya Robert m'a appelé pour dire j'arrive avec le groupe. Mm-hmm. On va s'amuser un peu chez toi. On a fait le machin, on a fait foufou, on a mangé. Comme elles savent que j'aime foufou. Mm-hmm. Donc elles sont venues avec ça. Toi, elles ont tout préparé pour ta pâte. Voilà. Tu vas partir avec ça. Voilà. Donc moi, j'étais assis par terre. Mm-hmm. Elles sont venues chez moi. Je leur ai dit, moi, ils travaillent tout à l'heure. Elles disent, non, t'inquiète. On vient, on ne dit pas, on mange seulement et puis on s'en va. Mm-hmm. Attends, avec le plan. Mm-hmm. Mm-hmm. Elles sont arrivées. Bon, on a mis la musique au salon. Aya préparait. Petite ambiance festive. Voilà. Et puis elle dit qu'elle veut me parler. Lolo, hein? Oui. Donc on est rentré. Toi, tu dis que tu veux me parler. Normalement, c'est chez moi. Mm-hmm. C'est à moi de t'envoyer quelque part. Dans ma chambre. Pas dans ma chambre. On peut aller sur la terrasse. Mm-hmm. On peut aller dans les toilettes. Mm-hmm. On peut aller dans la salle de bain. On peut aller ailleurs. Mm-hmm. Mais elle-même, elle vient me parler, mais c'est vrai qu'elle se dirige dans la chambre. Moi, mais il n'a pas compris. Mais bon, il est suivi. Mm-hmm. On arrive dans la chambre, tout de suite, elle sort sur moi, elle m'embrasse. En même temps, de là à là. De là à là. Dès qu'on est dans la chambre, le bourreau, porte est fermée, net. Il dit, mais tu veux me parler ici ou bien tu veux me parler ici? Je ne sais pas. Tu as demandé si tu veux te parler où? Il dit, tu veux me parler ici ou ici? Non, il dit non. Ah, tu me plais. Nanani, nana. En tout cas, elle a fait son show. Mm-hmm. Ah, elle a fait son show. Je la voyais très excitée. Voilà, donc, je ne voulais pas la repousser. Voilà, je ne voulais pas la vexer, en quelque sorte. Parce que j'ai quand même bien éduqué. C'est ça. Je me suis dit, bon. Donc, je suis rentré dans le jeu avec elle. Voilà. Dis qu'elle met ta main dans son Vumba. Voilà. Pour voir si ça pouvait réveiller quelque chose. Et qu'est-ce que tu as Mais vu? Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est un truc qui était très humide. Voilà. C'est un truc qui était très humide et qui n'avait pas une odeur qui m'a rassuré. Ça, il faut que quand tu parles de... Quand tu parles comme ça, là, si ça là tu dis... n'as pas de... Quand tu ça dis... Ça fait rien de parler. Mais pourquoi ça me fait quelque chose? Quand une femme s'assoit devant sa mère pour dire que Yaka bande pas, ça vous fait rien aussi? Non, ça vous fait quelque chose. Ah, pourquoi c'est pour moi là que vous choque? C'est pour ça que... Hi. Je veux savoir. À la guerre, tu ne peux pas aller t'asseoir devant ta mère. C'est gâté. Moi, je ne bande pas. Tu fais direct, ta maman est assise sur ton lit. Et puis tu dis que 9 mois de quelqu'un ne bande pas, sans la gêne. De quelqu'un d'autre. Ça t'a frustré. Non, ça ne m'a pas frustré en quelque sorte parce que moi, je sais pourquoi je n'ai pas bandé. Parce que ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Mm. Je n'ai pas bandé en fait. Mais pourquoi je n'ai pas bandé, n'est pas rentré là-bas? Parce qu'on s'est envoyé des messages après son live. Mm. Il a dit, mais tu as omis de dire certaines choses dans ton live, dans ta confession. C'est quoi elle devait dire, père n'a pas dit? Elle devait dire que son Vumba sentait, c'est ça qui m'a empêché de bander. Ça puait quoi? Ah, c'est l'odeur de ton Vumba qui m'a empêché de bander. Adama. Voilà. Et puis, elle n'a pas une odeur qui me met à l'aise. Parce que moi, je suis un mec très maniaque. Mm-hmm. Ça se voit. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens disent que je suis gay. Mais, voilà. bizarrement, quand elle a fait toutes ces déclarations-là, on t'a pas vu sortir sur la toile. Toi, mais tu étais présent, dans la femme, t'assois ici, pour faire pour toi aussi. Mais si vous n'avez pas vu sur la toile comme il a fait des dinettes. Aïe. Oui, c'est que toi, tu ne me suis pas. Est-ce que moi, on peut me provoquer sur la toile et puis elle est venue régler ça ailleurs? C'est où tu m'as provoqué la fête de là à là. Non, je parle de quand elle est venue faire son farfa ici. Oui. Tu es sorti aussi. Non, je n'ai rien dit. Mais c'est de... Non, attends, je sais pourquoi il dit ça. Je n'ai pas vu son farfa. Si, elle a fait son farfa, oui. Elle a parlé de toi. Est-ce que tu vois? Elle a parlé de moi. Oui. Je n'ai pas vu, hein. Sérieux. On m'a envoyé juste une petite. On m'a envoyé juste une petite partie de son farfa. Donc, où elle parlait de Aya Robert. Oui. Mais pour moi, là, il n'est pas vu. Devant Dieu, devant la terre. Ah, parce qu'en fait, ça m'a étonné que je l'ai vu. C'est pour ça qu'il t'a dit, je ne l'ai pas vu sortir. Non. Effectivement. Devant Dieu, devant la tête, je ne l'ai pas vu. Parce que je ne la suis je n'ai pas. On m'a envoyé un bout de son fafa là. Okay. C'est la partie là que j'ai vu où elle est en train de traiter Aya Robert dans la boue. Okay. Mais Aya Robert là, c'est qui pour toi? Aya Robert, c'est ma petite soeur d'amour. Aya Robert, c'est la petite soeur que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire que si ça, vous n'êtes pas obligé de sortir du même ventre exactement. Pour vous aimer mm-hmm. sincèrement.
C'est cet amour-là qui est Aya Robert. Ça, moi, c'est les amours comme ça. Un matin, quand ça va commencer à chauffer, vous êtes comme ça, vous insultez, vous partez. Aya Robert, moi, on ne peut jamais s'inviter. Le Aya Robert, moi, on s'insulte sur Facebook. Là. Moi, il quitte Facebook. Parce que même si elle sort un jour, parce qu'on ne sait jamais, comme vous le dites, là, elle peut s'élever, elle. Peut-être on ne sait jamais. Elle a entendu quelque chose là-bas. Là, elle a déjà compris. Et puis ça va l'énerver. Et puis elle va bombarder. C'est un être humain. Mais je ne vais jamais sortir pour lui répondre. Je vais régler ça avec elle en ligne. Non, mais finalement. Parce que c'est ma petite soeur. Ce que je comprends, c'est que Aya Robert et toi, mm-hmm. vous, c'est ta personne finalement. C'est ma personne. Donc on vous êtes pareil. Parce qu'on a une connexion. C'est-à-dire fusionnelle. Fusionnelle. Voilà. Donc, quand tu fais tes directs et tu es assez vulgaire dans tes propos, mm-hmm. Aya aussi, elle n'y va pas de main morte, elle ne va pas avec le dos de la cuillère. Ouais, parce qu'elle est vous comme êtes moi. Pareil. Elle voilà. est comme moi. Donc, c'est pour ça qu'on sait. Ton ennemi est l'ennemi d'Aya. Non. L'ennemi d'Aya est ton ennemi, c'est ça? Justement, c'est ça. C'est, parce qu'au lieu de dire, moi, il y a des gens que je ne supporte pas sur la toile, mais Aya les. Elle que. Oui, bien même. Elle les met en poste. Moi, ça me dérange mais, pas. Mais donc si on je comprends pas... bien, on va aller plus loin. Si mm-hmm. Aya Robert est autant ta personne, mm-hmm. ça veut dire que si Aya Robert dit quelque chose qui te concerne, mm-hmm. c'est qu'en général, c'est vrai. Non, pas parce que. Parce qu'elle a dit un jour que tu as purgé Makoso. Tu te rappelles d'un direct? On dit que tu as eu à faire la mort à Makoso. Tu es à Monaco. Bon, tu dis que c'est ta personne. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Non, c'est Aya qui a dit ça. Oui, quand tu es dans le game, on dit des choses souvent pour faire rire, souvent pour choquer. C'est ça le game. Choquer faut choquer pour qu'on te voit, pour qu'on entende, pour qu'on te remarque. Yaka a fait l'avenir à Makoso. Oh, mais elle, elle n'a pas dit Yaka a fait l'avenir à Makoso. Hein. Elle a dit qu'il a pirigé au Kabako, qui t'a pirigé. Elle a demandé. Elle n'a pas dit Yaka a pirigé. On dit Yaka a quitté à Monaco. Mais hein? les gens font des déductions tous les jours. Aïe. Les gens font des déductions matin, midi, soir. On voit Makoso beaucoup parler bien de toi. Mm-hmm. Mais quels sont tes rapports réels avec l'homme de Dieu, Makoso? Makoso et moi, on a des rapports très, très professionnels. Et okay. très. Makoso, c'est quelqu'un de très courtois. C'est quelqu'un de très gentil pour de vrai. D'accord. Voilà. Parce que j'ai des problèmes avec ses soeurs. Mm-hmm. Mais lui, je n'ai pas de problème avec lui. Parce que il n'a pas arrêté de m'envoyer des messages. C'est moi-même qui ai pris mes distances. Parce que, voilà, ta soeur ne peut pas insulter ma maman. Et puis toi... Tu ne réagis pas. Ok, et tu alors continues ta collaboration avec moi. Voilà. Alors que quand tu me connais, tu sais que je peux prendre ta maman et la décapiter avec ma bouche. Attends. Tu sais très bien que je peux la déshabiller avec ma bouche. Décapiter maman déjà. Oui, dans la tête du Seigneur, ça ne chauffe même pas. C'est comme bonjour. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Bleu Brigitte, celle que tu as insultée jusque dans son... Bleu Brigitte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'intimité. Voilà, j'aurais pas dû. Voilà. J'ai été fâché parce que à la base, il y a eu beaucoup de petits trucs en inbox. Ouais. Et puis, il y a eu ce doigt d'honneur là qui est venu. Ça qui t'a fait mal. Voilà, le doigt d'honneur avec le faux ongle très long. Je l'ai senti jusqu'à dans ma... Voilà. C'est le faux ongle même qui m'a fatigué. Ongle là. Voilà. T'es blessé en fait. T'as failli me blesser. Donc, quand on te pique avec quelque chose là, tu réagis. Mm-hmm. Donc, mais moi, j'ai mal réagi en fait. Mais aujourd'hui, quels sont ses rapports aussi avec son fils? Non, Bleu Brigitte et moi, on a de très bons rapports aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, on s'appelle, on s'écrit, on se envoie des voices. On se parle très bien, je lui ai demandé pardon, elle a accepté. Je profite aussi de votre antenne aujourd'hui pour lui redemander pardon encore pour mes propos. Je sais que ça a été vraiment déplacé. Okay. J'aurais pas dû. Est-ce que les propos de Aya Robert aussi hein? Oui, j'ai demandé pardon aussi pour Aya Robert. Je redemande ici pardon aussi pour Aya Robert. Mm-hmm. Aya Robert aussi a demandé pardon à Maman Bleu Brigitte. C'est très bien. Voilà. Mais ça là, vous faites ça tous les jours. Demain, vous venez me pardon. Bon, ça, non, on va continuer comme ça. Mais après Bleu Brigitte, après Bleu Brigitte, j'ai insulté qui d'autre? Bon, jusqu'à pour l'instant, on va recommencer. Si, on ne sait jamais si y a un doigt d'honneur qui sort là-bas aussi. Non, ça peut revenir encore. Il y a un doigt d'honneur qui sort. Parce que vous savez, dans toute chose, il faut grandir. Mm-hmm. Moi, au début, je suis venu, je pensais qu'il fallait régler le. Il fallait rendre le mal par le mal sur les réseaux sociaux. Mais après, j'ai compris que ça me salit plus qu'autre chose. Parce que quand les gens me provoquent et que moi, je réagis, ma réplique est toujours grandiose. Mm-hmm. C'est ma réplique là qui fait le tour du monde. Oui, parce que les gens disent que Yaka parle très mal. J'ai un volume. Voilà, comment on dit, j'ai un grand volume en insulte. Alors, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec la Ligue des blogueurs? Parce qu'en fait, vous devez sortir même une télé-réalité. On a vu la télé-réalité. Mais pourquoi c'est pas sorti? Mais c'est un cours de ça, sorti peut-être la semaine prochaine. Ah, ok. Il y a beaucoup de papos à casser sur cette télé-réalité. Non, les papos, là, vous allez voir tout. Vous allez tout suivre à la télé, comme tout le monde. Aya Robert, là, c'est ta soeur, c'est ta personne. Vous pouvez savoir qui mange ça? Qui mange ça? Ouais. C'est un secret, on ne dit pas. Est-ce que je dis dans mes directs? On dit un blogueur là, vous couchez entre eux. Oui, il y en a qui couchent entre eux. Ah, si on couchait, dit ça. Il voilà, y en a qui couchent entre eux. Hein. Oh. Mais en tout cas, moi là, Aya Robert, c'est ma petite soeur, jusqu'à petite soeur, même étonnée. Mais dis-nous au moins deux noms de blogueurs qui couchent entre eux. Je ne les connais pas.
Non, mais tu sais qu'il y en a qui couchent entre eux. Il y en a qui couchent entre eux. Mm-hmm. Ah, ça, c'est sûr. Mais bon, moi, je ne les connais pas. Ah, Poutou couche avec qui? Apouchou couche avec qui? Parmi les blogueuses. Je sais, franchement, je ne vais pas y mentir, je ne sais pas. Et si tu savais, tu allais nous dire? Ah, j'allais vous dire. Okay. Lolo Beauté, en dehors de... Puisque lui, il a organisé plan pour aller vous taxer ma libido. Exactement. Mais moi aussi, là. Tu peux dire aussi. C'est voilà. Ça. Maintenant, Lolo Beauté, en dehors de... Enfin, moi, j'appelle ça un flirt, hein. Vous avez flirté. En dehors de toi, elle a flirté, qui ou bien la couché, qui parmi les blogueurs, les influenceurs, là. Je pense que non. À part Céline Krangba qu'elle a embrassé dans le but du buzz. Mais elle embrasse tout le monde, finalement. Ah, voilà. Bon, ça après, chacun fait ce qu'il veut à sa bouche. C'est ça. Donc, si c'est attributs comme il veut. Mais c'est ça, chacun fait ce qu'il veut à sa bouche. Ouais, moi, je ne veux pas regarder quelqu'un. Enfin, comme tu as dit, là, elle embrasse tout le monde. Quand je dis tout le monde, je dis l'autre, toi. Parce que tu as dit que quand elle est rentrée dans la chambre, elle t'a embrassé. Elle m'a embrassé. Elle t'a poussé sur le lit. Elle m'a poussé, elle voulait faire son show. Elle voulait. Donc tout ça, elle t'a même pas excité. Elle m'a pas excité parce que déjà, moi, une femme même qui est entreprenante dans la chambre, ça me bloque. Ah, tu vas me prendre des une femme qui est entreprenante. Je suis un mal dominant. Exactement, je suis un mal dominant. Moi, la femme doit être soumise. Je l'ai toujours. Il doit te mettre où il veut. Tes propos sont un peu bizarres. La femme doit être soumise. Oui, la femme doit être soumise. En 2022, là, on cherche. Oui, mais même en 2030, le jus PIN va pousser en bas des femmes dans ce moment, on sera au même pied d'égalité. Sinon, tant que c'est Vumba, là, tu es soumise. Et ça, hein, tous ces propos-là, il y a des femmes qui font association pour te supporter. Mais oui, parce que les femmes-là savent mon fond. Elles sont pas les femmes-là savent que je suis une belle personne. Les femmes-là savent que moi, là, si on ne me provoque pas, je n'insulte pas. Les femmes-là savent. Je réagis. Moi, je réagis, je ne suis pas dans l'attaque. Moi, je réagis. Parce que pour toi. Non, mais parce qu'à cette allure-là, hein, ouais. On a l'impression que le monde est à l'envers. C'est le mal qui devient le bien maintenant. Exactement. Et le bien est devenu le mal. Ah, vous ne faites pas bonne chose, hein. C'est-à-dire vous passez votre temps à insulter, à dénigrer, à clasher les gens. Ah oui. Et tout le monde s'abonne sur votre chose. Temps. Mais si on dit, de fallait aller faire don dans un orphelinat, personne ne regarde ça. Personne ne regarde ça. Il y a des gens qui viennent faire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui s'en va là-bas? Toi, mais si je prêchais la parole de Dieu, tu allais m'inviter ici. Fatigué. Tu allais m'inviter ici. Mais bien sûr. Tu allais inviter quel oui, il plaît. La personne n'est pas venue s'asseoir. On a invité d'autres. Un homme de Dieu, mais il est aussi dans le game. Donc lui, là, il a de quoi à dire. Guy Vincent, il n'est pas venu. Qui est carré dedans, là. Moi, je ne les vois pas ici. Est-ce que selon toi, Marcoso est pasteur? Non, il y a des hommes de Dieu qui viennent là. Marcoso, c'est un pasteur. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. On dit Yvan Huildino. C'est ce que les gens. Voilà, on dit Yvan Huildino. Tous les pasteurs vendent Huildino. Et c'est tout ce que les autres vendent là. Vous savez ce qu'il y a dedans. Aïe. Il y en a qui vendent huile d'olive, il y en a qui vendent huile d'olive. Huile d'olive, là, c'est ça, on dessus, puis ça devient huile de cheveux pour allonger les cheveux. Il y en a qui chacun vend son huile. Il y en a qui vendent huile de coco. Chacun fait pour lui. Maintenant, tu es venu à Abidjan, tu es là depuis combien de temps? Je suis là depuis 4 jours. Et tu es venu faire quoi exactement? Je suis venu fêter mes 40 ans en famille. Avec ta marraine? Pas avec ma marraine, j'ai dit en famille. Mais la marraine. La marraine est là, elle est là. Elle va réagir forcément. Elle vit en Côte d'Ivoire, non? Elle vit en Côte d'Ivoire, oui. Ah, donc ça veut dire que Yaka sera lourd dans pas longtemps parce que la marraine va gérer. La marraine a déjà géré. Mes 40 ans, c'était hier. Elle a déjà géré. C'était le 20. Donc tu es lourd à l'heure là. Ah, toi aussi. S'il y a quelqu'un qui pèse, c'est moi. Ah, ça. Mais Yaka, qu'est-ce que tu as à répondre à la suite? Bon, on va dire, allons directement. Les gens sur la toile qui te taxent d'homosexuel et tout ça, qu'est-ce que tu as à leur répondre? Moi, je n'ai rien à leur dire dans la mesure où chacun fait. Chacun a le droit d'avoir son orientation sexuelle. Okay. Voilà. Moi, je ne juge pas les gens selon ce qu'ils font, de leur sexe, parce que ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai rien à foutre. Donc, j'estime que je n'ai pas de compte à rendre à Pierre, Paul, Jacques. Mm-hmm. Si je devrais être homosexuel, je serais homosexuel. Et puis, je n'ai pas de compte à rendre. Parce que moi, les deux personnes à qui j'avais des comptes à rendre, c'était mon père et ma mère. Malheureusement, je ne les ai pas aujourd'hui. Et donc, tu n'as pas de compte à rendre à Dieu? À Dieu, oui. J'ai dit sur cette terre, j'ai bien précisé. Ah, sur cette terre. Sur cette terre, j'ai bien précisé. D'accord. Voilà. Okay. Donc, et puis, rien ne te dit, tu as vu, Dieu ne te dit que Dieu a un problème avec les homosexuels. C'est non, toi qui la... juges. Non, moi, je ne juge pas. Voilà. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je me réfère à la Bible. C'est la parole de Dieu qui dit que Dieu a depuis ce moment créé la Bible. Vous étiez là quand on créait la Bible. Parce que Ponce Pilate, c'est lui qui a livré Jésus pour le tuer. Voilà, et surtout le Judas Iscariote. Moi-même, mes de Dieng Bieng Fou. Et vous dites ça, ça encore. Donc, c'est les gars là. Il faut prendre ça comme ça. C'est les détails. Yaka, yaka. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de compte à rendre, je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. Si je veux être homosexuel, je suis homosexuel, je veux être. Si je veux l'être, je le suis. Et puis je fais. Et puis je m'en fous.
Voilà, je n'ai pas de compte à rendre. Donc ça veut dire qu'un jour, on va découvrir qui finalement est la petite amie de Yaka Yaka. Oui, parce que pour découvrir cela, c'est qu'elle-même est sortie pour se montrer au grand jour. Mais pourquoi tu parce casses autant ta vie vous avez pas, si oui, parce que pour moi, quand toi-même tu dis privé, dans le mot privé, là, tu entends quoi? Il y a caché dedans. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui doit être privé, là, ça doit être caché. Mm-hmm. Parce que quand tu exposes tes relations sur les réseaux sociaux, tout le monde voit comment ça part en fiasco. Mm-hmm. On est d'accord? Mm-hmm. Voilà, tous ceux qui ont mais présenté leur relation. Leslie 5 étoiles. Elle cache pas sa relation. Oui, mais elle assume. Elle est même mariée avec son chéri. Mm-hmm. Elle assume. Voilà, donc si moi. Très bien. Voilà, elle assume qui l'a tué. Donc si toi tu assumes. Love Gugu. Voilà, Love Gugu. Mm-hmm. Elle assume. Mm-hmm. Donc quelles pourquoi, si moi j'assume là, quelqu'un va me faire quelque chose. Ou bien il mange chez qui? Mais donc assume, il n'y a pas de problème. Si non, mais je n'ai rien à assumer parce que je n'ai rien. Et puis, Yaka, tu vois ta position, même voilà. tu es en train de t'asseoir d'une manière penchée, là, ça ne me plaît pas beaucoup. Pourquoi? Bon, enfin. Quelle est ta relation? C'est trop fort pour moi. Quelle est ta relation avec Yves Duro? On est très amis. Ouais, parce que vous êtes très proche oui, et tout ça. On dit qu'il y a une dame qui est dangereuse dans ce pays. Elle vous paye, vous, les blogueurs, là, pour insulter les gens. La dame, en tout cas, moi, elle n'a pas reçu son argent. Mm-hmm. Celle qui paye pour insulter les gens. Là. Pour clasher les moi, autres. Moi, elle ne m'a pas encore payé. Mm. Mathieu Dola ne payait pas Aya pour clasher. Non, Mathieu Dola ne fait pas les choses comme ça. Mathieu Dola, c'est quelqu'un qui est trop correct. Mathieu Dola, c'est une belle personne. Hein. Non. Elle ne peut jamais payer quelqu'un pour clasher. Mais à chaque fois que quelqu'un insulte Yves Duro, c'est vrai que vous êtes très proche. Mm-hmm. Tu sors pour répondre. Est-ce parce que quand je trouve que. Non. Yves ne m'a jamais donné un centime. Et puis, je n'ai pas besoin de l'argent d'Yves Duro. Sérieux, devant Dieu, devant la terre. Quand je vois qu'il y a une injustice vis-à-vis d'elle, je sors. Tu sors pour et puis je prends sa défense, bien comme il faut. Mm-hmm. La personne même plie sa queue. Les gens donc ça veut dire que face à toi, il n'y a personne. Quoi. Non, il n'y a personne, mais en tout cas, tout le monde sait que je suis un élément très, 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 très féroce sur les réseaux sociaux en matière de clash. Et tu comptes clasher les gens comme ça? Non, moi j'ai arrêté les clashs. J'ai arrêté les clashs, je ne clash plus. Moi, mais le loboté, j'ai dit, maman, avant, vous m'avez vu sortir. Elle a dit, tu es resté silencieux. Non, j'ai fait une vidéo pour lui dire que je bénis sa maman. Et que voilà, tu sais très bien que. Moi, si ça va dans ce sens, on peut comprendre un peu maintenant. J'ai fait une vidéo pour lui dire que tu connais. Il lui a dit qu'elle n'aime pas sa maman. Parce que quand tu aimes ta maman, là, tu ne peux pas la livrer à quelqu'un comme moi. C'est ça. Donc, tu pourrais la décapiter. Non, mais c'est vrai. Si tu aimes ta maman, là, tu connais Yaka Yaka, tu connais les mains. Tu sais ce qu'elle est capable de faire sa bouche. Voilà. Et puis, tu viens livrer ta maman. Parce que quand tu insultes ma maman, ça veut dire que tu veux que je. Tu veux qu'il insulte qui? C'est ta maman qui a livré. Mm-hmm. Donc, attends, tu sais ce qu'il est capable de faire. Non, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Il pratiquait la loi maintenant, de Talion. Maintenant, on est passé sous la grâce. Voilà. Je laisse faire parce que je me dis que je n'ai plus rien à prouver. Voilà. J'ai déjà fait mon show. Tout le monde me connaît. Voilà. À l'aéroport, même là, tout le nombre de personnes qui ont fait photo avec moi, moi, mais ils ne savaient pas que j'étais autant connu. Oh, tu fais exprès. Non, sérieux. C'est-à-dire qu'on me disait, tout le monde est sur les réseaux sociaux, ça c'est normal. Ouais, c'est mais moi je ne savais pas que dans l'avion, là, au moins 400 personnes pouvaient photo avec moi. Mm-hmm. Voilà, à l'arrivée à l'aéroport, les 6 gendarmes qui viennent m'escorter pour sortir avec moi jusqu'à où mon frère est venu me chercher. Je m'attends. Tous eux tous ils me connaissaient. Mm-hmm. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que de l'atterrissage du poste de contrôle jusqu'à dehors, il n'y a pas que. Tous ceux même qui attendaient leurs parents, eux tous ils me connaissaient. Et quels sont tes rapports aujourd'hui avec Love Gugu? On a de très bons rapports. Mmh. Franchement, on s'est demandé pardon lors de la télé-réalité. Et avant ça, même, on s'est demandé pardon. On s'est vu à la télé-réalité. Chacun a vu qu'au fond de nous, il n'y avait pas de méchanceté. Voilà, il n'y a pas de rancœur. C'est juste quand tu es en face de ta caméra, tu fais ton show. C'est tout. Alors, donc, on peut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un nouveau Yaka Yaka? Oui, il y a un nouveau. On peut dire Yaka ça Yaka, oui. Y a un et on peut Yaka. Dire qu'aujourd'hui, il y a un Yaka Yaka qui ne va pas insulter les parties intimes. Non, ça c'est révolu. Ça, c'était avant. Quelqu'un qui dit Lolo a insulté sa maman, il a béni. Oui, il est venu bénir sa maman et ses enfants. Le Seigneur a dit parce que je sais que s'il récupérait sa maman, ça allait me salir parce que c'est pour moi que tout le monde allait entendre. C'est pour moi qu'elle allait faire le tour du monde. Moi, je sais. Parce qu'elle a crié, c'est vous avez entendu. C'est moi qui criais là. Voilà. Alors là donc il y a quelqu'un qui crie, voilà. Crie fort, crie bien. Ça s'entend à 8 km à la ronde. Il dit la volume. Comme le rugissement d'un lion. C'est à 8 km à la ronde que tout le monde entend. Alors Yaka Yaka, notre émission va bientôt prendre sa tirasse. Moi j'ai une dernière question, Yaka Yaka. Vu que tu es très proche de Yves Duro et que tu t'entends super bien avec Love Gugu, entre les deux, il y a eu la pelapé ou pas? Franchement, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas arbitre. Donc je ne peux pas, je ne veux pas. On n'a pas besoin d'être arbitre pour savoir. Moi, je n'étais pas là.
Tu sais que tu as les mots aussi quand même. Hein. Ah, mais oui, ah, mais c'est pour ça que je suis ici. C'est mes mots là qui ont fait que les gens m'ont aimé sur Facebook. Ils disent pas vite. Mais véritablement, mais ça veut dire que si tu continues de donner des réponses comme ça, ça veut dire que véritablement tu n'as pas changé. Tu fais courant que tu as changé la route à la base sur le même Yaka. C'est dans Fafa, on parle Fafa. Ah. Donc c'est dans ça, tu es dans le contexte de l'affaire. Exactement. Non, c'est que non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Non, ça c'est le contexte. Non, tu es dans le contexte. Là, tu es clashé. Faut bombarder. Voilà. Quand je suis bombardé, tu as raison. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon après ça va être plat. Ah. On est d'accord. Voilà. Non mais la réponse est forte quand même. Je dis pas. Après c'est même pas le match. Quoi, t'habites. Il y a des matchs aussi. Ah, t'as vu. Quand ça touche les affaires de l'appel, ah oui. Les gens disent souvent que Yves Hidereau, c'est quelqu'un d'assez gonflé, c'est quelqu'un de toi. Pour toi qui la côtoie, mm-hmm. comment est-ce qu'elle est véritablement? Elle est très, très humble. Mm-hmm. Oui, c'est une personne qui est humble. Mais tu sais, souvent dans notre milieu, là, il faut se donner genre. Voilà, c'est dans ce genre. C'est une carapace. C'est une carapace. Que sinon, Yves Hidereau, c'est une très belle personne. Hein. Mm-hmm. Voilà. Mais moi-même, là, les gens trouvent que je suis méchant. Mm-hmm. Pourtant, là-bas, je suis très gentil. Nous, on testait sa gentillesse. Moi, je suis très gentil. Ah, pardon, toi, il faut tester sa gentillesse. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Voilà, mais sur le Facebook, là, si tu ne mets pas cette carapace-là, tu ne vas te dominer. Non, moi, beaucoup de bruit. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Parce que, par moment aussi, c'est vrai que tu as besoin de te donner un truc, un genre pour pouvoir te protéger. Exactement, c'est important. Non, après, on comprend voilà. Un peu pourquoi Yves Hidereau. Voilà, c'est tout à fait normal. Elle se protège. Elle se protège aussi. C'est important. Alors, Chola, nous allons tirer le mot de fin à notre invité. Exactement. Alors, Yaka, qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver le Fafa? Et bon, je suis au pays. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça te fait de revenir chez toi? Mm-hmm. Et aujourd'hui, tu as vu à l'aéroport, les gens t'accueillent, mm-hmm. les gens t'apprécient. Bon, mm-hmm. je me dis, hein, si tu es un nouveau Yaka, mm-hmm. donc du coup, tu es obligé de marcher un peu plus. Mm-hmm. Dans la droiture. Ouais, parce qu'après, si les gens te regardent, que les gens te suivent, ouais. que tu n'es pas un bon exemple, ça peut être bizarre. Effectivement. Voilà, donc quel est ton mot de fin à travers voilà, juste dire merci à l'équipe de Fafa de m'avoir reçu sur votre plateau ici. Puis profiter aussi de votre antenne pour demander pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser directement ou indirectement. Parce que souvent, tu insultes quelqu'un tellement que tu es fort dans tes mots là. Toi, tu es à côté là, tu prends les balles perdues. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu as mal. Ouais. Donc, j'ai offensé certaines de mes fans. Parce que souvent, je disais des grossièretés dans mes directs qui faisaient mal à certaines personnes qui m'aimaient beaucoup, qui étaient sur ma page, qui se sont même désabonnées. Ouais. Parce qu'elles disent non, tu es trop cru. Tu es ça trop. Allait trop loin. Voilà. Donc, il faut arrêter ça. Attends, moi, je suis comme ça. Je vais jamais de même mode. Voilà, quand tu me tapes comme ça, moi je te tape, il met caillou dans ma main pour te taper. C'est comme ça il fait. Voilà. Donc, je demande pardon. Pas de demi-mesure avec moi. C'est ça ou c'est pas ça? Et voilà, je suis en train de faire un travail sur moi justement pour ne plus rentrer dans tout ça. Et attends, la réconciliation avec Lolo Beauté? Ben, moi je ne suis pas en parler avec elle, c'est elle qui a décidé de me clasher. Sinon, je n'ai rien contre elle. Je ne l'ai pas bloqué encore. Enfin, on est encore amis sur WhatsApp et tout ça. Là. Je n'ai rien contre elle. Donc, si elle revient s'excuser, voilà. Si elle revient s'excuser, moi, il n'y a pas de problème. Et si elle vient pour t'aider à t'embrasser encore, ça non, elle ne peut plus m'embrasser, ça c'est fini ça. Donc, là, toi aussi, tu ne vas plus mettre ta main dans son bras. Non, mais si elle a ouvert, elle met pour sentir encore, pour voir si elle a lavé maintenant. Pas, lui a donné si ça s'est amélioré, quoi. Je lui ai montré des produits pour qu'elle nettoie avant de venir me voir. Ah, voilà. J'espère qu'elle a utilisé ces produits-là. C'est important. Puis, le jour, on la voit, on va lui demander. Manger des mots, et puis dès qu'elle est grecque, elle allait payer le faux. Donc, moi, je lui ai dit tout ça, il ne faut pas faire. Alors, merci, dames et messieurs. Notre émission tire maintenant à sa fin. C'est fut un plaisir de recevoir Yaka sur le plateau de Fafa. Alors, restez toujours connectés, partagez. Merci à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde, mes amis depuis Paris, Londres, New York, tous ceux qui me suivent, qui m'envoient des messages. Tout au bout du monde, je suis toujours fier de vous et continuez de vous battre, continuez l'aventure, c'est pas facile, on était tous là-bas auparavant. Je vous donne la force, je vous donne le courage de continuer. Big up à Prince Rommel de Rio depuis les États-Unis. Salutations spéciales à Ange Dion-Mimpis depuis Montpellier. Big up à la famille Ayaya Tegman depuis Paris, 17e. Merci à tous et à toutes. Kangala le berger, tous ceux qui nous suivent, le PDG Pierrot. Alors la grande famille, monsieur Ange B, le cultivateur. Et merci à tous, restez couverts, la légende toujours pour vous. Big up.